Alphonse Ngoyi Kiasangi a représenté le Kassai Oriental aux obsèques du gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koyagialou. Après la levée du corps, tous les cadres et militants du PPRD, avec en leur tête le secrétaire général Évariste Bouchab, se sont retrouvés au siège du parti pour rendre hommage à leur ancien camarade dimanche 21 décembre dans l'après-midi. Comme en pareille circonstance, l'oraison funèbre et les témoignages de ceux qui ont connu cet homme d'État étaient essentiellement à l'ordre du jour. On a fait près d'un grand homme, un grand homme d'État, un homme d'État. Il était tout le temps souriant, calme, mais efficace quand il s'agissait de travailler. Juste après, tous les gouverneurs des provinces présents à Kinshasa ont escorté le corps jusqu'à la résidence de l'illustre disparu Angaliema pour quelques cérémonies organisées par les membres des familles. La dépouille mortelle a ensuite été exposée à l'esplanade du Palais du Peuple pour le recueillement des officiels. Comme prévu par le programme, le Kassai Oriental a assuré la permanence à la veille mortuaire de 3h à 4h du matin de ce lundi 22 décembre 2014, jour de l'enterrement au cimetière Nécropole entre Terre et Ciel. Alphonse Ngoyi Kiasangi était accompagné à ses obsèques de Madame son épouse, l'honorable Odette Mbuyi Ngoyi.